Salut les amis, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus chill que d'habitude puisqu'on se retrouve sur le PVP de Ghost Recon Wildland avec monsieur Momof Sama, donc un petit membre de mon équipe compétitive sur R6. On voulait tester le Ghost Recon War, je crois que ça s'appelle tout simplement. Donc c'est le nouveau, en gros, mode PVP de Ghost Recon Wildland. On va voir un peu comment ça se passe. Alors, on va se déplacer vers la flèche jaune, hein. Oh, il y a des biches. Sérieux? Ouais, il y a une biche qui vient de passer, là. Ouais, on va bouger vers le bâtiment, alors, parce que je pense que je vais me faire enculer en face, dans les arbres. Je vais essayer de contourner. Je me déplace vers l'ennemi, hein. J'en ai en face de moi là, j'en ai en face de moi dans le bâtiment à droite. Mort. Je crois qu'il est sur moi le mec. Oh. Hop là. Ça y est, c'est fait. Je l'ai défoncé. Putain, je l'ai cherché pendant je sais pas combien de temps, mec. J'y vais, moi je me déplace dessus là. Je vais essayer de pas me faire cramer par le drone là. Bruh. Merde mec, j'ai pris un one shot. On va suivre un petit peu les aventures de Momo Sama qui se balade avec sa cagoule et son MP5. Est-ce que tu penses que tu peux me revive vu que je suis juste à côté de toi en fait? Ouais. C'est envisageable. Oh, il m'a eu gros. Je viens de perdre mon versus. Il est sur moi, sur mon cadavre. Madame. Ah, j'ai un pote qui vient. J'ai un pote qui vient sur moi, je crois. Ou alors il me sécurise juste. De casser des cailloux. Des cailloux qui sont facilement cassables, d'ailleurs. Avec la main ou d'autres ustensiles. Avec ces cailloux, on peut construire des portefeuilles et des stylos. Wesh, y'a que The Rock qui peut manipuler ces portefeuilles-là. Et si on le faisait full bourrin? Je l'ai eu. Oh, oh. Je l'ai vu le snipe. T'inquiète, je suis derrière toi, je te couvre. J'attends que le bombardement y passe et je one tab le mec en face. Mort. Oh, j'ai eu les deux. J'en prends un en bas. Le dernier il est au fond à gauche. Prends la colline derrière toi. Il y a deux morts dessus, faut qu'on les couvre. Je suis avec toi. Allez, tue-la. Je le rush. Oh, GG. Oh, je l'ai eu. Non. Bruh. Wesh. Double tap par le Kenny 20 là. Mais il défonce lui. Tu vas mourir. Il a ta tête. Soulève-le. Allez, tue-la. Allez, vas-y, rush-le. Gauche. Oui. Ah, toi aussi, t'as vu flou, là. Nous aussi, on va tous voir flou quand on va regarder ton action. J'en ai un qui est juste devant moi, là, dans le hangar de gauche, en fait. Peut-être qu'il t'a pas vu traverser, du coup. Je sais pas. Je vais essayer de longer. J'essaie de faire un tag de tank sans être un tank, ça va être compliqué. Drone qui revole. Je reçois un signal de la tour d'observation. Un mort. Mais wesh. Nice, tu peux me rêve. Là ça devrait aller normalement. J'y vais. Ils sont les deux, ils sont là. Le deuxième est là aussi. Je l'ai vu, ouais. Il m'a pas vu, lui, je crois. Je crois qu'il a revive son pote. Oh, le... Ah, je crois qu'il est... Ah, il est... Nice. Oh, allez, Momo. Ah. Derrière le bois. Nice, gros. Le drone de corps de se faire repérer, le problème, c'est que ben, je l'ai repéré.
Tu peux me trouver le deuxième sniper? Ok. Ah, headshot. Ça se dégage. Je suis marqué. Deux headshots. Nice, ok, on peut progresser sur... Yatatatatatat. Je me suis fait rusher, gros. Ouais. Ouais. Il est sur moi. Sniper, il est violent, gros. Hein. J'ai un tank qui m'a... Il m'a tout shot. Ok, on a les 4. On a l'info sur les 4. En plein dedans. J'en ai eu un. Bonjour, maman, ça va? Oui. Tranquille, on discute un peu. Allez, White, lève-toi. Putain de cuite, hier soir, je te dis pas, mon pauvre. Merci. Non, t'inquiète, je vais courir et je vais mourir, hein. C'est bon. Mec, c'est impossible de tuer un mec à cette distance avec une batte comme ça. C'est vrai? Oh, Pablo Escobar, t'as vu? Celui en t-shirt vert. C'est bon. Moins un. Je vais m'en occuper, je vais m'en occuper. Mort. Je vois pas les autres. À droite, j'ai. Exact, les deux ils sont là. Il va le raise, il va le raise. À droite, là-bas derrière. J'avance, j'avance. Bien joué. Bien joué! Nous sommes effectivement des professionnels. Momo Sama, un dernier petit mot sur ce Ghost Recon War là? Je pense que. Je sais pas si je l'achèterai, tu vois, du coup. Parce que pour l'instant, il y a vraiment rien. C'est vide pour moi. C'est une bonne question. C'est ça. Parce que du coup, moi, pour être objectif et franc un peu avec tout le monde, je me suis pas mal quand même ennuyé sur cette bêta, même si le principe et le concept restent intéressants. C'est vrai qu'on attendait avec impatience le PVP sur Wildland, qui en fait, au final, n'est qu'un mode annexe complémentaire de ce jeu. Donc voilà, déjà là, ça gâche un petit peu le truc. Il n'y a pas de mode multijoueur à proprement parler. C'est un truc complètement à part du jeu. C'est une petite extension pour le moment. Donc bon, ça reste en 4 contre 4. Waouh, c'est pas beaucoup. Les maps sont relativement petites. Effectivement, il n'y a que 9 cartes. Il y a combien de classes? Il y en a 6, c'est ça? Disponible là, ouais. Et tout de même, je crois que ça passe énormément. Ouais, c'est bon, c'est un peu compliqué. Donc du coup, j'ai peur que, effectivement, ça s'essouffle un peu rapidement et qu'il n'y ait pas grand chose dessus. Donc. Bilan général assez mitigé, c'est vrai que je me suis bien amusé et je me suis pas mal fait chier en même temps. Malgré tout, c'était quand même sympa d'avoir un petit peu de tactique stratégique. Voilà, moi j'ai joué un peu comme un bobé parce que j'aime bien ça, j'aime bien rentrer dedans. Mais c'est vrai qu'on le sent derrière, il y a des gens qui jouent beaucoup plus stratégique, qui jouent beaucoup plus tactique. C'est vrai que ça peut être un petit peu plus intéressant là-dessus. Après, comme dit, est-ce que je le prendrai ou pas? Je sais pas. À vous de me donner votre avis dans les commentaires. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu et à vous abonner. Je remercie encore Momo d'avoir participé dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Ciao tout le monde. Peace.